où les minous ils vont jouer, où les mamans elles vont amener leurs enfants. Là, et quatre là, trucs voilà. Séparés. Avec les voitures. Alors après, tu veux voir un autre scénario? C'est le propre d'un espace urbain qui est justement pas dévolu qu'à une seule chose, mais de temps en temps, il y a des marchés, comme dans les villages, quoi. On n'en a rien à faire, que ça soit Starbucks Café ou je sais pas, ou McDonald's, ou des gens qui... des franchises de grandes marques qui viennent s'installer ici. Il faut que ça reste populaire, il faut que ça reste donc les gens d'ici, quoi. Non, mais c'est bien ce que vous faites. L'Assemblée de la Plaine réunit tous les habitants et les habitués de la Plaine. La Plaine, c'est tout le quartier de l'espace Jean Jaurès. C'est très important cette unité-là parce que même au niveau administratif, c'est 4 mairies ou 3 mairies différentes qui les administrent parce que dès le départ, il y a une volonté que les gens ne s'associent pas. Alors ça, c'est une idée un petit peu floue au départ. Puisqu'on parle de la plaine et de la place, l'idée c'était, mais sait-on au moins, est-ce qu'on est tous d'accord, habitants, habitués, pour dire ici c'est la plaine et là-bas c'est plus la plaine. L'idée c'est de déclencher de la parole en fait. Et il y en a qui disaient tout à l'heure, quand on est rue des Bons-Enfants, là on n'est plus à la plaine. Je ne me sentirais plus à la plaine. Pourquoi alors? Moi, c'est le croisement entre la plaine et l'Audi. Ils ont leur café ici, leur commerce par là. Même le boulevard Chave, en lui-même, c'est un centre ouais, attractif. Ouais. C'est lié au parcours. Oui, c'est lié au parcours que je fais tous les jours, de pratique par rapport à mon boulot. Alors, cette notion-là de monter-descendre, ça revient sans arrêt. Hein. Et ben ouais. Parce qu'on choisit aussi nos parcours comme ça, on n'est pas un peu feignant. Ça me tue, quoi. La problématique aujourd'hui, c'est qu'il y a une refonte du quartier et une refonte de la place. Nous, l'Assemblée de la Plaine, qui est constituée de personnes, non pas de groupes ou de quoi que ce soit, c'est on appelle et on interpelle les gens du quartier, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, pour leur dire attention, il va se passer des choses sur la plaine, il faut qu'on soit au courant. Tenez-vous au courant de ce qui se passe. Et nous, aujourd'hui, notre démarche, elle est là. C'est d'informer les gens qu'il va y avoir quelque chose sur la plaine. Je voulais vous dire simplement que je suis de la plaine, puisque mes grands-parents sont arrivés en 1893 et que nous n'avons jamais quitté le quartier. La plaine a toujours été un quartier de maraîchers, a toujours été un quartier pour le peuple, pour tout le monde. Et je souhaite que ça continue. Bravo! Je crois que le véritable enjeu, en fait, c'est plus ou moins de supprimer ce marché, ou que ce marché qui est un marché d'objets pas trop chers pour des gens modestes, disparaisse. Parce qu'en fait, je crois que c'est une histoire de concurrence par rapport à la grande distribution, qui sont un peu en crise, en tout cas la grande distribution. Donc, ben voilà, c'est une concurrence. Et si on supprime, en fait, tous les marchés anciens, ben il n'y aura plus le choix. Et donc, la grande distribution, ben... survivre. Je pense qu'il y a aussi cet enjeu. Il n'y a pas que celui-là, mais il existe dedans. Quoi. Voilà. En fait, j'ai participé à quelques réunions du CIQ simplement, et ça me semblait normal. Ça me semblerait normal dans la mesure où leur vocation, c'est de défendre les intérêts des gens du quartier, de participer. C'est leur vocation maintenant. Les élus, Monsieur Ruas, élus de droite, mais élus quand même. Donc ces gens-là, ils ont besoin de coups de pied au cul pour nous aider à rénover les appartements, à rénover les immeubles et arrêter de les fermer et en faire après des chambres d'hôtes, des hôtels, etc. Nous, on est le père des mamies qui faisons des affaires à la plaine. Et si le marché, il le sélectionne, il n'y aura plus des affaires tombées du camion. Et on n'est pas d'accord. Je pense qu'un parking en hauteur ou les terrasses de la plaine, ce serait très bien, voire même, je pense, reconstruire le stade Vélodrome ici, parce que je trouve que c'est un peu loin. Merci beaucoup. Nous, les habitants ou les gens qui fréquentent cette place, on a des idées pour elle, en fait. Et si on nous laissait le faire, on pourrait les mettre en œuvre. Et du coup, je sais pas, peut-être qu'on pourrait commencer avec des trucs simples et dire...
on peut déjà, j'en sais rien moi, installer une table de ping-pong en béton, construire un barbecue en dur, faire des aménagements qu'on entretient, qu'on nettoie nous-mêmes, etc. En même temps que tout le travail sur le plan juridique et tout qui a déjà cours. Enfin voilà, je sais pas, c'est tout. Moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que le quartier de la Plaine, c'est un quartier de Marseille et qui a toute une politique économique sur la ville. Cette politique économique, on la voit très bien avec la vente de l'Hôtel Dieu, hein, qui s'est transformé en hôtel 5 étoiles, avec la privatisation qui est en train de se faire, qui est demandée par les hôtels 5 étoiles, par tous les commerçants des bords de mer. 20% des plages seraient privatisées. À Marseille, c'est les projets. Donc, c'est les arrivées des gros bateaux. En fait, c'est quoi ? Ben, c'est l'arrivée du fric qu'ils veulent. Je me demande s'il y a d'autres points encore qu'on pourrait trouver qui font consensus, qui soient un peu des bases sur lesquelles on pourrait faire des propositions et faire bouger des choses. La convivialité. S'il y a un consensus à chercher, je pense que moi, je suis pas trop. Je pense que c'est un peu un piège de trouver un contre-projet qu'il faudrait qu'on présente. De toute façon, on n'est pas armé pour présenter ce genre de, pour faire ce genre de travail. Je pense que c'est juste le refus de tout projet d'aménagement global comme ça sur la Plaine. Et puisqu'ils utilisent souvent l'excuse quoi, de consulter la population pour savoir s'ils sont d'accord ou pas, qu'on fasse savoir haut et fort que de toute façon, on est contre tout projet de réaménagement global de la Plaine. Bah, regardez bien les affiches en ville, hein. On affiche régulièrement quand il y a des rencontres et des choses comme ça. Il ne faut pas lâcher, il ne faut pas être indifférent. Quoi. C'est nous qui devons organiser comment on habite. Quoi. À plus tard alors. À plus tard, ouais.